Salut à tous les dresseurs, c'est Pikami et j'espère que vous avez le sourire aujourd'hui et que vous avez attrapé beaucoup de Pokémon cette semaine. Et je dis n'importe quoi. Donc on va tout de suite passer au sujet de cette vidéo qui sera une vidéo petit-déj et ce sera la seule et unique sur ma chaîne car évidemment je ne compte pas reprendre le concept de mon chéri. En fait c'est un abonné mais également un ami qui m'y a fait penser, j'ai eu envie de le faire. Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de réception de colis de Nejan, on a eu tous les deux un cadeau, on l'a fait sur sa chaîne. Et voilà tout ce qu'il m'avait offert, je pense que vous avez déjà vu, mais à tout hasard je vous remontre. Donc ma cogneur holographique du set de base, Florizarre X, qui est superbe, Ectoplasma X, N Full Art de Noble Victoire. Ensuite j'avais un Celebi de Frontières Franchies pour ceux qui se souviennent, mais Nejan l'a voulu absolument, il l'avait pas dans sa collection, et moi notamment je l'avais. Donc du coup je l'ai échangé contre ces deux cartes qui sont en US, mais qui sont néanmoins très très jolies. Après, il m'a aussi offert un Brazégalie X en japonais, qui est scellé, donc ça c'est top. Je vais la garder précieusement. Plein de petites cartes du set de base, collection japonaise. Et ça c'est génial parce que j'avais que la version française évidemment. Et j'adore le dos des cartes japonaises, c'est top. Elles sont trop trop belles. Et pour finir, une carte dédicacée de sa part, donc avec écrit Ne change rien pour Pikami Lizardessache. Donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne YouTube. Il fait des choses vachement intéressantes, même s'il n'est pas très très actif. Mais je vous avoue que c'est très très compliqué d'être actif, moi personnellement, pour faire une vidéo tous les jours. Je me donne vraiment beaucoup beaucoup de mal, donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça et qui a forcément le temps, etc. Même moi, je n'ai plus du tout le temps. Mais néanmoins, ce qu'il fait, c'est vraiment super sympa. Donc je vous invite à aller voir, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et ce qui m'a donné l'idée de faire une vidéo petit-déj aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait ceci aussi pour moi. Et au dos, il m'avait écrit « Marine a aussi droit à un petit-déj, non mais oh !» Parce qu'en fait, il avait mis des boosters custom pour Nejan pour ses vidéos petit-déj. Et du coup, quand il a dit « bah Marine a aussi droit à un petit-déj », je me suis dit « bah ce serait vraiment sympa que j'en fasse un pour une fois et que je loupe ça de bon matin avec vous pour le petit-déjeuner. » Donc, je vous invite à prendre un bol de céréales ou des brioches, ce que vous voulez, un verre de jus d'orange, et on est parti pour cette ouverture et pour découvrir ça. Alors, en tout cas, sache, Lizard, que je te remercie énormément pour ton colis. C'était un truc de malade mental. Et là, bah, je vais encore découvrir des petites choses venant de toi. C'est super. Ah, bah, je pouvais l'ouvrir sur le côté? Ok, il y a tout qui est tombé sur le côté. Voilà. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Ok, et ça c'est un booster du set de base? Un booster custom du set de base. Donc set de base version japonaise. Pour ceux qui n'auraient jamais vu ces boosters là, ils sont superbes. Donc je suis contente aussi de conserver une illustration. Et là on a plein de cartes énergie, mais alors je ne connais pas du tout. Déjà la brillance est magnifique. J'espère que vous verrez très bien. Voilà, là on voit mieux déjà. La brillance est superbe. Et il y a écrit Pokémon Organized Play. Donc apparemment c'était des cartes pour jouer au TCG distribuées. Il faudrait que tu me dises dans les commentaires où est-ce que tu as eu ces cartes parce que ça m'intéresse énormément. Oh, elles sont trop belles. La brillance est trop trop belle. Donc une énergie eau, mes deux énergies préférées en devanture. L'énergie feu qui est pas mal non plus. Énergie obscurité, énergie de type plante, une énergie combat, une énergie psy. Et pour terminer, l'énergie métal qui est vraiment très très jolie aussi. Je trouve que cet effet holographique rend vraiment mieux sur l'énergie métal. Waouh, c'est superbe. Waouh, je suis très très contente d'avoir ces cartes-là. Donc il n'y a pas de numérotation visiblement et elles datent de 2009. Comme vous pouvez le voir en bas, donc 2009 c'est quand même assez ancien. Je regarde juste le dos des cartes, ouais, ce sont des cartes tout à fait normales. Oh, je suis impressionnée, elles sont magnifiques. J'avais jamais vu des cartes énergie comme ça. Après, ben, on a le petit booster custom. Donc je ne sais pas du tout s'il faut faire le 1, 2, 3, 1, 2, j'en sais rien. En tout cas, le booster en lui-même est vraiment super beau. Et je vais l'ouvrir par ici. Ah, toutes les cartes sont sous pochette, visiblement. Je vais faire attention. J'ai pas envie d'abîmer mon booster. Donc promis, la prochaine fois, je change de fond. Vous devez en avoir marre, je pense. Non, pas de 1, 2, 3, 1, 2 à faire. On va découvrir ça comme ça. Oh, ok, d'accord. Un Shaymin Full Art de la Legendary Treasure, réédition de la Shiny Collection. Super jolie cette carte. Vraiment, je me lasse pas de la revoir. Ensuite, oh, Meloetta Full Art, super. Toujours de la même série. Bah, je pense qu'il m'a mis les 5 en fait, non? Ouais, Reshiram Full Art, génial. C'est l'une des plus belles, je trouve. Hein. La première fois que je l'ai vue dans la Shiny Collection,
J'étais époustouflée. Le Mew, ça fait trop plaisir. Génial, ça fait trop trop plaisir d'avoir le Mew aussi. Bah forcément, c'est l'une de mes préférées avec le Reshiram et le petit Emolga qui vient évidemment. Le Emolga avec les cœurs, c'est ça que je trouve vraiment super joli. Déjà, sa petite bouille est super chouette, mais les cœurs avec ceci, ah, je sais pas. Ça donne un petit côté girly à la carte, j'adore. Et elles sont super bien protégées, comme d'habitude, j'ai jamais rien à redire. Tu protèges super bien ta collection. Voilà, bah c'était tout pour cette vidéo petit déj. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce sera la seule et unique, je tiens à le préciser. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en dégustant votre petit déjeuner. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tous tes petits cadeaux, Johan, tu le sais, et je te remercie encore énormément. Et pour tous les petits curieux, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, je mettrai le lien dans la description comme indiqué en début de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces verts, de petits pouces en l'air, de commentaires, comme ça on pourra discuter ensemble de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, justement, je vous fais plein de piquets. Bisous! Salut tout le monde!